Ce mur d'acier de 27 km pourrait bientôt s'étendre sur toute la frontière entre la Grèce et la Turquie. Selon le ministre grec de la Protection du citoyen, qui a reçu ce samedi des émissaires de l'UE, de la Suisse et du Royaume-Uni, il a contribué à empêcher l'entrée illégale de près de 260 000 migrants en 2022. Cette visite envoie un message très fort de solidarité en Europe, d'unité et de détermination à protéger la frontière de la Grèce avec la Turquie, qui est aussi la frontière de l'Union européenne avec la Turquie, a déclaré Takis Theodorikakos. Et je crois que la Turquie doit recevoir ce message fort, celui d'appliquer le droit international. Athènes a accusé à plusieurs reprises Ankara d'instrumentaliser le sort des migrants, en les encourageant à franchir la frontière pour déstabiliser la Grèce et le reste de l'UE. La Turquie reproche pour sa part aux autorités grecques de refouler violemment les migrants.